Non, non, non. J'avais peut-être dû lire la recette avant. Ah ouais, ouais, ouais. C'est une salade de carottes que t'as fait. Mais non. Ah, c'est dégueulasse. Si tu m'emmerdes là. Bah non, je te laisse la voie libre. Mais attends, on a un moule? Non, je crois pas. De toute façon, on va même pas le faire cuire le gâteau, donc t'as qu'à te contenter de la pâte. Oh, hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, toujours dans ma semaine spéciale 100K. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais faire une vidéo par jour pendant toute cette semaine et à chaque fin de vidéo, il y aura un concours. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas faire un gâteau pour les 100K pour fêter ça. Donc, on va essayer de s'attaquer à quelque chose d'assez simple, mais en même temps, je peux pas vous faire encore un gâteau au chocolat parce que à un moment, il faut innover. J'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de faire un carrot cake. Je n'ai jamais, au grand jamais, fait ça de ma vie, mais par contre c'est hyper bon, j'en mange tout le temps. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai hâte de voir. Dans un saladier, mélangez ensemble tous les ingrédients secs, cassonade, farine, levure, cannelle et gingembre en poudre. Ok, d'accord. Alors, 200 grammes. Putain. 202. C'est pas grave. Vous savez que juste avant de cuisiner ça, j'ai mangé une crêpe au Nutella. Bonne idée. Pourquoi c'est pas allumé là-bas? Alors, gingembre, 2 cuillères à café rase de gingembre. On va dire bonjour. Aïe. Coucou, bisou. Ça va mon chat? Tu veux parler à la caméra? Tu veux dire un truc? Parle. Il est sur moi là, actuellement sur moi, pendant que je filme. Si ça, c'est pas trop mignon, je ne sais pas ce que c'est. Cette vidéo, elle commence mal. La cannelle. Mais en fait, depuis tout à l'heure, je suis grave pas concentrée, donc je fais pas du tout rase. Ok. Non, non, non. Cassonade, farine, levure, cannelle, gingembre en poudre. Mélanger. Avec une cuillère, ça va? Il me faudrait une ring light là, là. Parce que là, ça va pas. En tout cas, ça sent trop bon. Par contre, c'est fort en gingembre, là, je le sens. Ajoutez ensuite l'huile de tournesol et mélangez bien, idéalement à l'aide d'un batteur électrique. Ah, j'avais peut-être dû lire la recette avant. J'ai pas de batteur électrique. Combien d'huile de tournesol? 30 centilitres. J'ai pas de verdoseur non plus. On a un verdoseur? Non. 30 centilitres. 30 centilitres. T'es sûr de toi? 30 centilitres? Bah. 30 centilitres? Ok. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. C'est balèze. Par contre, là, c'est énorme. Ça me donne envie de canner. Moi, avec mon mini batteur. Ouais, il faut tout verser, je pense. Regardez-moi cette bouillie. Berk. En vrai, là, ça a l'air trop bon. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. En vrai, c'est bon. Incorporer ensuite les carottes râpées. Ça, j'ai envie de mourir. Mais vraiment envie de mourir. Je sais pas si ça va suffire, ce truc. Est-ce que j'ai un truc pour éplucher au moins? Oui. Mais c'est de la grosse merde. J'espère que je vais pas offenser certaines personnes parce que j'ai tendance à un peu gâcher les trucs. Merde. Du coup, je dois faire quoi? Ah mais non, j'ai pas du tout... J'ai pas du tout râpé mes carottes. Je dois les râper. Jérémy, il m'a dit de faire ça avec ça. Mais ça, c'est pour les zestes. Mais en même temps, c'est pas bête parce que t'as jamais de gros morceaux de carottes. Donc on va tester, mais je pense que ça va prendre des heures. Ça, c'est pas mal, c'est des petits bouts. C'est une cata. Est-ce que tu veux que je te râpe tes carottes? Oh, de ouf. Putain. Là, bon, je crois que t'es en train de fumer ma cuisine. Mais... Pourquoi tu râpes avec ça? C'est une salade de carottes que t'as en train de... Mais non. Moi, je pense que c'est bon. Non, mais là, c'est une salade de carottes dans un gâteau, c'est dégueulasse. Mais non. Ouais, comme ça, dans 3 jours, on y est encore. Moi, je suis traumatisée, ma mère, elle a perdu un morceau de doigt. Non, à avec de... une... Pas avec une râpe. Avec une mandoline. Avec une mandoline. Tiens, goûte. Ah, dégueulasse. Ah. T'es sérieux? Ah, c'est dégueulasse. T'es sérieux? Ouais. C'est toi qui es dégueulasse, mon pauvre mec. Il y en a 3 à taper là comme ça? Ouais, voilà. Voilà, hein, tu comprends mieux pourquoi je fais une salade. Bon, ça me sauve. Fais-le, s'il te plaît. Non mais mon chat, il y en a pour 2 heures là. Mais oui, je sais, c'est pour ça que c'est horrible. Ouais. J'ai une deuxième répartition. Mon chat, tu m'emmerdes là. Bah non, je te laisse la voie libre. C'est un carrot cake en famille. Bonne nouvelle! Il a terminé! Je mélange!
Il y avait une cuillère. Il y avait une cuillère dedans. Je te jure. En vrai, j'espère que ça va être bon. C'est fluorescent. Actuellement, en train de perdre mon bras. Ensuite, les graines de courge. 50 grammes. Ne m'en dites pas plus. C'est quoi ce merdier? J'ai envoyé un message à Jérémy pour qu'il vienne, parce qu'il a ses écouteurs. On va goûter ensemble. Je sais pas si ça va être bon, honnêtement. On va voir. J'ai terminé la pâte. On goûte? Ouais. Waouh, c'est quoi ces grumeaux verts, là? C'est des graines de courge. Ah. Mmh, bon. C'est bon? Bon, de ouf. Tu m'emmènes dans un petit bol? C'est trop bon. Quoi? Tu m'emmènes dans un petit bol? Mais non. Sérieuse? Il est où le moule? Là-dessous, peut-être. Mais attends, on a un moule? Non, je crois pas. Quoi? J'en sais rien. Attends, t'as dit non, je crois pas? Non, j'en sais rien, en fait. C'est ta vidéo, c'est pas la mienne. Mais attends, on est chez toi. Tu sais pas si t'as un moule? Un moule comment? Un moule à gâteau? Bah oui. Non, on a déjà eu un moule? Je sais pas. Pendant le confinement, j'ai fait des... Ouais, il y avait un moule de ma grand-mère qui l'a récupéré, tu te rappelles? On a déjà eu cette discussion 19 fois. T'es en train de me dire que là, j'ai pas de moule pour remettre mon gâteau au four? Ouais. Mais tu me dis ça normal. Mais je fais comment? Bah c'est bon, c'est les gars des bouches, ça. De toute façon, on va même pas le faire cuire le gâteau, donc t'as qu'à te contenter de la pâte. Tu vas chez Monoprix? Ok. J'y crois pas. J'y crois pas. Le temps que t'ailles acheter un moule, il y aura plus de pâtes. On se retrouve après Monoprix. 2 hours later. On a un moule, enfin. Heureusement qu'il est là. Alors, quelle est la suite? J'ai pas fait préchauffer le four, donc déjà, je suis complètement conne. 180. Ok, bah je dois juste beurrer le moule. Comment je vais... Oh, tu m'as fait peur. C'est du beurre, Miso. Non, non, non. Mais Miso, Miso, tu m'aides à beurrer le moule? Je vais te poser sur la chaise pendant que je verse, ok? Ouh, du vomi, du vomi, du vomi. Et voilà, l'œuvre d'art. Maintenant, au four! Et voilà, à dans 50 minutes! Je vous explique la situation. Je viens de filmer une autre vidéo pendant que le gâteau cuisait. Sauf que là, j'ai extrêmement peur parce que je ne l'ai pas du tout regardé. J'ai mis 1 minute 50 minutes et je ne l'ai pas regardé. Et genre, je ne l'ai pas regardé. On va découvrir ensemble. Oh oh, ça m'a l'air cramé cette histoire. Alors, le drame? Un peu cramé. Ah, pourquoi tu l'as fait brûler? Je suis désolée, je voulais pas le faire brûler. Ah mais attends, il faut le démouler parce que on a un truc à mettre dessus. Toi tu vas faire foirer tout mon gâteau. Oh bah. Quoi? Vas-y, si je construis une maison, je t'appelle. Tu me feras les briques. Une brique. On dirait que c'est une malédiction d'en rater tout. La malédiction d'être une merde. Oh, il a attrapé. Oh, il a maigri. Excusez-moi, je peux filmer ma vidéo? Ah mais c'est le truc de ma crème. Nous avons une surprise. Enfin j'ai une surprise pour vous et moi. Hein. Vous savez ce que je vais faire de cette brique? On va mettre... Quoi? On va mettre des bougies. Tu veux bien me chanter une chanson? J'ai peur du feu. Miso, on fête les 100K. On souffle ensemble. On souffle au bout de 3. 1, 2. Félicitations. Félicitations, 100K. Figurez-vous qu'en faisant une photo pour la miniature, je me suis rendu compte que le 1, il était à l'envers. Oups, désolé. Le moment que j'attends depuis 10 ans, manger le gâteau. Tu veux goûter le gâteau? À l'intérieur, il a l'air grave bon, en vrai. Mais punaise. Tu le passes? C'est un délire. Merci beaucoup. Elle est obligée de... Oh, il évacue un. Tu sais pas ce qu'il y a dedans? Il y a de la salade de carottes. Oh, il y a une cuillère dedans. C'est vraiment une merde, c'est pas possible. J'ai fait cuire le gâteau avec une cuillère. Regarde. Waouh, mais t'es trop fatigante. Mais attends, comment t'as fait? Je sais pas. Non mais comment t'as fait? Je sais pas. Le moule, il est tout petit. Je sais pas comment c'est possible. Je sais pas quoi dire. Plus rien, je pense que c'est le mieux. Tiens, dans un verre. Dans une tasse. Oh, sympa. En vrai, c'est bon, hein? C'est bon. Je suis fière de mon gâteau, malgré tout. Bon, je me suis posée au lit pour vous faire l'outro parce que c'est le bazar un peu dans la cuisine là. Et pour vous annoncer le concours du jour, je suis trop contente parce que c'est un énorme concours. Attendez, je prends mon téléphone parce que j'ai envie de rien oublier. Donc je suis trop contente de vous dire que le concours d'aujourd'hui est un concours des plus fort care. Franchement, je suis trop heureuse parce que c'est une marque de compléments alimentaires, pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs, dont je vous parle tout le temps. C'est les compléments alimentaires que je prends tous les jours. Depuis vraiment plusieurs mois maintenant, ils sont topissimes.
Topissime, personne ne dit pas de topissime. Et en plus, le lot est énorme. Et en plus, d'ailleurs, non, il n'y a pas qu'un seul lot, il y a 3 personnes qui vont pouvoir gagner ce lot. Donc attendez, j'ai tout ici et je peux vous dire que c'est très long. Donc déjà, dans ce lot, vous avez 3 mois de la cure D+. C'est la cure anti-acné, peau jeune, peau hydratée, peau lissée, peau parfaite, clairement. C'est les petits sticks à boire tous les jours. Donc c'est une cure de 3 mois. C'est quand même des produits qui sont assez onéreux. Donc c'est vraiment un concours qui est incroyable. Parce que rien que la cure de 3 mois, il me semble qu'elle est à 200 et quelques euros. Donc c'est déjà beaucoup. Donc c'est trop trop cool. Ensuite, vous avez le spray dodo. Donc c'est un petit spray à vaporiser dans sa bouche juste avant de dormir qui vous endort. Et ça marche extrêmement bien, croyez-moi. Je le prends tous les soirs. J'aime trop. De toute façon, je vous en reparlerai, je pense, ce mois-ci un petit peu parce que j'ai reçu plein de nouveautés. Vous avez un sachet de Magic Me. Donc c'est des compléments alimentaires à prendre anti-stress que je prends tout le temps en ce moment aussi. Et vous avez le coffret Aloha Duo, donc vous avez le Aloha Repair et Aloha Prepair. Le Aloha Repair, c'est un complément alimentaire vraiment pour l'hydratation de la peau, pour petite peau sensible, pour tous les petits problèmes de peau. Vraiment, c'est top pour l'hydratation, c'est trop trop bien. Et vous avez le Aloha Prepair, et Prepair, c'est pour le soleil, donc voilà, pour préparer sa peau au soleil. Personnellement, celui-ci, c'est le seul que j'ai pas testé parce que je fais une épilation laser et c'est pas conseillé de prendre ce genre de produit quand on fait l'épilation. Donc vous avez trop de chance de pouvoir tester. J'aimerais trop, en tout cas dès que j'ai fini mon épilation, je le prends. Donc voilà, je suis vraiment trop trop contente de vous dire que 3 d'entre vous vont gagner ce lot incroyable. Je suis trop contente, merci à DPS4Care de nous offrir ça parce que c'est trop cool, vraiment trop trop cool. Pour participer, comme d'habitude, comme toute la semaine, rendez-vous sur Instagram. Toutes les infos seront sous le dernier post qui sortira en même temps que cette vidéo à 18h. Le lien est en barre d'infos comme d'habitude. Si jamais vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos et les prochains concours. Et merci pour votre soutien et tous vos commentaires, je vous aime trop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Mouah.